J'aime pas faire des discours. Mais je me suis dit que si j'en faisais pas un là, je crois que j'en ferais plus jamais ma vie. Donc je me suis décidé. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier, Madame la Ministre, pour cette distinction et l'honneur qui m'est fait. Je crois au-delà de ma personne, c'est toute l'industrie du jeu vidéo français qui se voit ainsi reconnue. Le soutien des politiques ces dernières années et la prise de conscience que le jeu vidéo avait une valeur culturelle et économique a joué un rôle extrêmement important pour le développement français. Le jeu vidéo, comme vous l'avez dit, embauche, forme des jeunes, est vecteur de création, d'innovation, il est vital pour la France et pour l'Europe, d'œuvrer afin de conserver cette industrie et qu'on puisse continuer de créer en France les jeux vidéo auxquels nous allons jouer demain. L'évolution de l'industrie du jeu vidéo ces 20 dernières années a été particulièrement spectaculaire. Moi, je me rappelle une époque où les premiers jeux vidéo étaient vendus à prix d'or au milieu des logiciels de comptabilité qu'on trouvait difficilement à la FNAC. Aujourd'hui, on voit que cette situation, évidemment, a totalement changé. C'est un passe-temps de gens passionnés. Aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, les jeux vidéo font partie aussi des premiers produits culturels vendus, soit en France ou dans le monde. Alors personnellement, je suis tombé dans le jeu vidéo un peu quand j'étais petit, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et je me rappelle les nuits passées à jouer, je me rappelle mon émerveillement devant des sprites en 16 couleurs, et puis je me rappelle aussi avoir joué aux premiers jeux de jeu français, les jeux de Delphine, les jeux de Lancor, les jeux d'Infogrames. Ça a rappelé des souvenirs à certains d'entre vous, mais on oublie parfois qu'en fait, il y a beaucoup des pionniers qui ont contribué à faire ce que le jeu vidéo français est aujourd'hui. Ces pionniers étaient français, même. Jamais j'aurais pensé un jour être celui qui imagine ces jeux, jusqu'au jour où je me suis dit que l'interactivité pourrait devenir une forme d'expression à part entière, que ça pourrait peut-être être quelque chose que je pourrais utiliser pour raconter des histoires. Mais je dois reconnaître que lorsque j'ai créé Quantic Dream, il y aura 17 ans, le mois prochain, j'étais à des années-lumière de m'imaginer qu'un jour, ça me vaudrait la Légion d'honneur. Comme tous les gens autour de moi, je travaillais par passion, avec une certaine dose d'inconscience, juste celle qui est nécessaire pour faire des choses déraisonnables, en espérant réussir, sans imaginer où cela me conduirait. Jamais j'aurais imaginé que le jeu vidéo allait prendre cette place dans ma vie, que j'étais en train de créer une société qui existerait encore 17 ans plus tard, qui me permettrait d'être ce soir devant vous. Cette récompense qui m'est décernée m'incite à faire quelque chose que je ne fais habituellement jamais, c'est regarder derrière moi. J'ai toujours été plus intéressé par les projets que par les souvenirs, par les défis que par le chemin parcouru. Mais je vais faire une exception ce soir et je vais essayer avec vous de me rappeler quelques-uns des moments qui ont jalonné mon parcours. J'ai voulu inviter un certain nombre de personnes ce soir qui ont été acteurs ou témoins de ce parcours et je voudrais rapidement évoquer avec vous quelques-uns des moments que nous avons vécu ensemble. La première étape de mon parcours est le studio de la rue de l'Abbé Grégoire. Certains y étaient, certains s'en rappellent. Et là, je me dis un jour que peut-être je pourrais essayer de composer de la musique pour des jeux vidéo et essayer de lier ces deux passions, le jeu vidéo et la musique que j'avais à cette époque-là. Et un parcours commence souvent par un coup de chance, quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer, qui pourtant se produit. Ça se joue sur le fait d'être au bon endroit, au bon moment, sur le fait de trouver quelqu'un qui, à un moment, vous fait confiance. Et quelqu'un simplement qui vous dit oui. Alors je me souviens de la rencontre avec différents éditeurs à l'époque que j'essayais de convaincre de me laisser faire la musique de leurs jeux vidéo. J'en ai croisé certains qui sont là ce soir. Cryo, en premier lieu, à l'époque, qui m'a permis de faire mes armes, parce que le compositeur précédent s'était fait virer, qu'ils avaient besoin en catastrophe de trouver quelqu'un pour faire la musique d'un jeu. Donc là, j'étais là au bon moment. Et j'ai eu la chance que quelqu'un me dise oui à ce moment-là. Je me rappelle aussi des nuits à écrire le jeu auquel je rêvais de jouer, ce jeu qui allait devenir Nomad Soul. Je me rappelle de ses amis, certains sont là ce soir, que j'arrive à convaincre, de tenter l'aventure et qui vont m'aider à créer ce qui allait devenir Quantic Dream. Je me rappelle de cette cabine dans mon studio d'enregistrement à Montparnasse, que j'avais transformé en studio de développement. Alors on était six à ce moment-là, Fabien, Pierre, Olivier, Antoine, Philippe, avec l'aide de Sophie et de Xavier. Je me rappelle les 6 mois passés enfermés ensemble, essayer de produire un prototype qu'on pourrait présenter à un éditeur. Je me rappelle des doutes. Je me rappelle l'excitation en voyant les premiers polygones bouger à l'écran. Et surtout l'immense bonheur quand Eidos, à ce moment-là, un éditeur anglais, nous annonçait qu'ils étaient prêts à signer le premier jeu d'une société qui n'existait pas encore. Je me rappelle ce moment Gare du Nord où l'équipe était venue m'attendre pour savoir si on avait un éditeur ou si on était tous au chômage. Je me rappelle les regards anxieux et l'émotion sincère, unique, de celle qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie, quand on se dit qu'on a réussi quelque chose et qu'on n'a aucune idée de comment on va s'en sortir maintenant. Je me rappelle du premier jour, c'était un 1er mai, à déménager des bureaux et des ordinateurs dans nos nouveaux locaux avec quelques volontaires de l'équipe.
Je me rappelle le premier jour de ma nouvelle vie, j'étais musicien, je devenais chef d'entreprise, commercial, comptable, producteur, game designer, sans imaginer une seule seconde ce que tout ça allait vouloir dire. Je me rappelle les nuits au bureau, les soirées junk food, je me rappelle le jour qui se lève alors qu'on est toujours en train de travailler. Je me rappelle de David Bowie, qui débarque un beau jour dans le 15e arrondissement pour venir nous voir, au milieu des ordinateurs et des câbles réseau qui jonchaient les couloirs, sans rappel. Et les semaines aussi à parler avec lui de la musique du jeu, à lui raconter l'histoire, lui montrer les esquisses, et puis le temps passé à me dire que j'ai bien de la chance d'être là. Je me rappelle le moment de bonheur extraordinaire quand le jeu était enfin terminé, la fierté immense de voir la boîte dans les magasins, le sentiment unique d'avoir accompli quelque chose, non pas à titre personnel, mais quelque chose ensemble. Et ensuite, tout est finalement allé très vite. Il y a eu Fahrenheit d'abord, j'ai accouché dans le doute et la douleur, mais qui allait poser les fondations de Quantic Dream, jusqu'à aujourd'hui. Puis la rencontre avec Sony, Heavy Rain, récemment Beyond. Finalement, tout s'est enchaîné tellement vite sans que j'ai jamais eu le temps de réfléchir, ni surtout de m'ennuyer. Depuis ce 1er mai, il y a 17 ans, j'ai eu une chance immense. Celle de travailler à quelque chose qui me passionne, d'avoir un métier qui n'en est pas un. Le jeu vidéo m'a permis de vivre des choses absolument extraordinaires, de rencontrer des gens passionnants, que ce soit David Bowie, Willem Dafoe, Ellen Page, Hans Zimmer, ou les gens dans mon équipe. Il m'a permis de réaliser mes idées, de vivre ma passion, de faire plusieurs fois le tour du monde, pouvoir créer, oser, essayer d'aller plus loin, et de faire encore mieux, vivre de sa passion, parce qu'il y a un plus beau métier. Et tout ça n'a été possible que parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires sur mon chemin. Il y a bien sûr les gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné les moyens de développer mes idées, qui ont senti que ma démarche était sincère et qu'il fallait me donner ma chance. Je pense à John Cavanagh chez Eidos. Je pense à Christophe Rambos chez Vivendi. Je pense à Bruno Bonnel chez Atari. Je pense à Phil Harrison, Michael Denich ou Yoshida chez Sony. Sony, le partenaire qui nous accompagne depuis 8 ans maintenant. Sony qui nous permet de continuer d'innover dans une industrie qui est parfois très conservatrice, qui accepte de prendre des risques dans une industrie qui n'en prend malheureusement pas toujours assez. Je pense aussi en particulier à des gens chez Sony qui sont notamment les gens de Sony France, Philippe, Richard, Suzu, Jérôme, les autres. Des gens vraiment extraordinaires qui nous poussent à nous dépasser parce qu'ils font leur métier tout simplement avec autant de passion que nous. Parmi les gens extraordinaires que mon métier m'a permis de rencontrer, il y a évidemment mon ami et partenaire Guillaume de Fondomière, avec qui on forme une équipe comme je crois qu'il y en a peu. C'est un type formidable qui mérite cette récompense autant que moi. Il y a aussi mon équipe sans qui rien ne serait possible. En 17 ans, j'ai eu la chance de travailler avec des gens incroyables, talentueux, passionnés. Et j'ai passé des moments absolument extraordinaires avec eux, avec vous, à nous émerveiller à 3h du matin devant une scène qui prend enfin forme. On a tous des souvenirs comme ça, je crois. J'ai vu des talents confirmés, d'autres éclore et arriver à maturité. J'ai vu des gens sortir de l'école et faire toute leur carrière à Quantic Dream. Je les ai vus se marier, je les ai vus avoir des enfants et acquérir de l'expérience, mais toujours travailler à Quantic Dream avec la même passion. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait particulièrement plaisir, avoir pu former des gens et leur permettre de s'exprimer est aujourd'hui ma plus grande fierté et ma plus grande réussite. Je pense qu'il y a peu de studios dans le monde où on peut trouver autant de talents, de gens intelligents et passionnés. Ils ont fait le choix de travailler avec moi et sur des jeux différents, ce qui constitue deux challenges supplémentaires. Donc ils sont ici remerciés pour leur patience avec mes idées déraisonnables, et leur persévérance à vouloir faire des choses ambitieuses, et malheureusement en dépit du bon sens. Voilà. Je voudrais aussi remercier la presse, qui a toujours joué un grand rôle dans mon parcours. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui comprenaient ma démarche et qui ont écrit pour la soutenir. Là aussi, j'ai rencontré des gens brillants et passionnés, courageux, parfois, tant dans la presse spécialisée que dans la presse généraliste, qui ont apprécié et soutenu mon travail, mais vous n'imaginez pas à quel point votre soutien m'a été précieux. Donc, soyez-en ici remerciés. Parmi les gens incroyables autour de moi, les plus importants pour moi sont bien sûr ma femme, Sophie, et mes deux grands garçons, Quentin et Ulysse. Ils ont un mari et un papa un peu bizarre, qui a souvent la tête dans ses histoires, qui travaille tôt et qui rentre souvent très tard le soir. Donc cette Légion d'honneur, c'est à eux que je la décerne, pour les remercier de leur patience avec moi, pour leur amour et leur soutien. Le point culture, le philosophe romain Marc Aurèle, a commencé un de ses livres en citant tous les gens à qui il devait d'être celui qu'il est. Vous tous ici ce soir avez joué un rôle dans ma vie et je voulais tout simplement vous en remercier.